Bonjour tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle épisode de ICNH recommençait à zéro, toujours dans un format, on pourrait dire court, même si ça devrait tourner autour de 10 à 15 minutes. C'est un format que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que le montage se fait rapidement, même chose du côté du rendu et même chose du côté de l'upload sur YouTube. Donc je vais continuer un peu sur ce format et ça me permet de peut-être pouvoir vous offrir plus d'épisodes. Donc au lieu d'en avoir, je dirais, seulement un ou deux dans le courant d'une semaine, et bien peut-être qu'il pourrait en avoir deux ou trois ou quatre, donc un petit peu plus, du moins, si possible. Hein, on sait que j'ai quand même pas mal de choses à faire au courant des semaines qui vont suivre, notamment en ce qui concerne l'école. Et donc, ben écoutez, sans plus tarder, on va lâcher un peu ces explications un peu plus personnelles. Je sais que vous vous en foutez quand même un peu. L'important, c'est d'avoir un épisode une fois de temps en temps. Et donc, ben écoutez, pour l'occasion, on va aller se faire une petite simulation en détail contre les Red Wings de Détroit. Question aussi de voir si notre bonne séquence va se continuer. Toujours avec Marc-André Fleury également devant le filet. Du côté des Red Wings, ça semble être un peu plus difficile. J'ai vu rapidement qu'on jouait pour une fiche de 500. On va voir si on pourrait continuer, nous, avec un but de Brad Richards qui vient d'ouvrir la marque. Donc ça, c'est parfait. 1-0. 2-0 maintenant, Danny Heatley. Donc on semble peut-être profiter dès le début du match. 3-0 maintenant, Evgeny Malkin. Dès le début du match, je voulais dire, on commence à profiter un peu des faiblesses et des largesses des Red Wings qui ne jouent pas à la hauteur de leur espérance. La Marianne Gaborik qui vient réduire l'écart. Par contre, le match n'est pas terminé, il faut faire attention. Alors que Jonathan Drouin vient redonner tout simplement une avance de 3 buts avant que Gaborik réplique avec son deuxième filet de la soirée. Donc là, encore une fois, oui, on va tourner autour d'un épisode de 10 à 15 minutes. On va simuler, je dirais, jusqu'au maximum possible. Mais si j'arrive plutôt à la date limite des transactions, voilà, et bien là, on fera une petite arrêt pour peut-être voir si certains n'auraient pas des suggestions, même si je ne crois pas pour l'instant faire de transactions. Je vais être honnête avec vous, j'aime bien l'équipe que j'ai. D'un autre côté, c'est un peu normal puisque c'est moi qui ai sélectionné tous les joueurs, mais vraiment, j'apprécie l'équipe que j'ai. J'étais vraiment déçu lors de la dernière saison, surtout de la façon que ça s'est terminé. C'est surtout ça parce que, bon, la saison, même si elle a été en dents de scie, du moins de mon point de vue, eh bien, j'ai quand même apprécié un peu la fiche avec laquelle on a terminé. Et donc, ben écoutez, cette saison, on semble quand même bien se reprendre. Donc là, on va affronter les Pingouins. Petite défaite de 4-3. C'est pas grave, une petite défaite de temps en temps. Vraiment, c'est pas trop grave. Par contre, là, une autre défaite contre les Bruins. J'espère aller chercher une victoire contre les Jackets qui ont de la difficulté. Et défaite de 3-0. Donc, on va peut-être finalement arrêter et envoyer Théo pour les prochains matchs. Ça me fait penser, j'ai un de mes amis ou tout qui m'a proposé de mettre José Théodore lorsqu'il y avait deux matchs de suite. Donc, je viens juste d'y repenser. Ce serait quelque chose que je vais essayer. On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner avec cette petite tactique. Donc là, on va laisser José jouer contre les Devils. Même chose du côté des deux équipes new-yorkaises. Et ben écoutez, pas mal de matchs doubles. Donc en moins de 24 heures, si on veut. Donc bon, ben ça va être à surveiller. Et puis, est-ce que j'ai trop d'autres choses à rajouter? Non, pas vraiment pour l'occasion. On va plutôt laisser le tout se dérouler. Donc là, aujourd'hui, le match des All-Stars, on s'en fout un peu, malheureusement. Parce que bon, ça prendrait quand même du temps, que ce soit de jouer le match ou peu importe. Donc là, par contre, les Devils, eux, sont vraiment dans une bonne position. Sensiblement comme mon équipe. Par contre, on a réussi à aller chercher une petite victoire de 3-1. Ça faisait quand même un petit moment. Je crois que j'avais pas fait jouer José. Donc, plutôt content. Il va me chercher deux victoires. Donc, ça, c'est bueno. C'est parfait, on prend. Alors que là, je vais réenvoyer mon recruteur. Surveiller pendant 6 semaines. Surveiller. Mais surveiller qui? Telle est la question. Est-ce qu'on l'envoie vraiment en Suède? Est-ce qu'on l'envoie du côté des gardiens? Je m'en fous un peu. Du côté des défenseurs, on est quand même bien nanti. Bon, on est plutôt bien nanti à toutes les positions. Donc, je pourrais vraiment envoyer mon recruteur un peu partout. Il n'y aurait pas vraiment de problème. Alors que là, attendez, je vais juste, voilà, remettre en bonne position les prévisions pour les différents joueurs. Donc là, ici, quand même, hein, l'Ontario est assez gâté du côté du top 10. Sinon, bon, l'Ouest, on va aller surveiller l'Ouest. Surtout du côté des attaquants, parce que bon, la profondeur, c'est quand même très important aussi. Je crois qu'à la défense, je suis quand même correct. Donc là, on va envoyer José, jusque contre les Panthers. On va voir maintenant contre les Rangers, et c'est une
une victoire de 5 à 2. C'est parfait. Alors que là, les Panthers viennent d'envoyer au balotage Jack Skelly, un allié droit, 78 d'overall, qui peut jouer sur le quatrième trio. On va refuser. Pourquoi? Parce que j'ai également un jeune joueur, ou plutôt dans les mêmes âges, sensiblement, parce que Matt Martin est quand même rendu à 25 ans et qui pourrait faire sensiblement, je trouve, le même travail sur un quatrième trio environ. Donc non, je refuse. Et je vais également refuser pour Mike Zygomanis. Donc allez, c'est parti pour continuer la simulation. Maintenant, 3 victoires de suite grâce à José Théodore. Donc on va se croiser les doigts pour que ça continue ainsi. Surtout que les joueurs, mes joueurs canons semblent bien fonctionner. Surtout avec une victoire de 6 à 2 à Buffalo. Maintenant contre les Red Wings, une défaite de 3 à 0. Donc petite revanche pour leur part. Est-ce que j'envoie Fleury? Ou non, je crois qu'on va continuer avec Théo, puisqu'il connaît quand même une bonne séquence. Et donc, écoutez, lorsqu'il fera un faux pas, il va perdre tout simplement sa place pour Fleury, qui va continuer ensuite. Alors que là, on va affronter les Panthers, défaite de 2 à 1. D'accord, 2 défaites de suite. On va quand même permettre à Théo de jouer contre le Canadien de Montréal. C'est toujours un petit peu plus... Un petit peu plus... je cherche le mot. Ça n'a pas de bon sens, je cherche le mot. Alors que là, le Canadien qui ouvre la marque direct en début de première période. Donc là, allez du côté des Flames. On joue à domicile en plus, donc ça serait bien de bien se reprendre. Donc là, 20 minutes qui vient de se terminer. Un avantage numérique du côté du Canadien. C'est quand même assez serré du côté des tirs. Alors que là, on vient d'égaliser gracieuseté d'Alexandre Burrows. Donc oui, évidemment, j'espère que les Québécois vont faire... la marque lors de cette rencontre. C'est sûr que j'aurais mis Fleury, ça aurait également été une rencontre spéciale pour lui. Alors que Patrick Kane vient mettre tout simplement le Canadien en avance de 1 but. On a peut-être la chance, allez s'il vous plaît, 2-2, même pas 2 à 1 victoire du Canadien. Alors qu'on a bombardé littéralement Jonas Hiller avec 36 tirs. Donc écoutez, je peux pas vraiment vouloir à José Théodore. Est-ce que si j'aurais mis Fleury, la victoire aurait été davantage assurée? Je ne pourrais pas dire. Je crois que le résultat aurait peut-être été semblable. Ça aurait été du moins plausible. Et donc, écoutez, on va réenvoyer Fleury et on va repartir immédiatement à la conquête d'une petite nouvelle séquence de victoire. Alors que les Ducks sont quand même, eux, sur une bonne, sur une bonne séquence, puisqu'ils ont une fiche presque équivalente à la mienne. Donc, on va se permettre une petite simulation en détail également de ce côté, voir un peu ce qu'il en est dans cette rencontre à domicile encore une fois. Alors que là, j'ai une offre de transfert pour faire l'acquisition de Drew Stafford. En retour, je devrais envoyer Marc Pisic, donc un jeune défenseur, ainsi que mon choix de premier tour et de troisième tour lors du prochain repêchage. J'avoue que j'hésite un peu parce que Stafford, c'est pas vraiment un mauvais joueur. J'ai de la place sur la masse salariale. Pisic a quand même un bon avenir, je crois, même dans la Ligue nationale. Appartient au Sabres de Buffalo, si ma mémoire est bonne, oui, je le confirme. Et donc, écoutez, c'est presque tentant cette offre. Sachant que Drew Stafford, c'est pas non plus un mauvais joueur. On va voir un peu avec sa fiche. Donc, un attaquant polyvalent, ailier droit, 84 d'overall, un joueur droitier, 29 ans. Un salaire plutôt convenable. 21 points en 54 matchs. Par contre, c'est pas... Bref, c'est pas tant fameux. On va regarder si je regarde un peu. Parce que là, j'ai un petit blanc concernant mes ailiers droits. J'ai quand même, Burns, Burrows, Zubrus, Kucherov. Kucherov qui ne joue pas vraiment à sa position. Mais ça, c'est pas vraiment grave. Puisque Kucherov fait quand même un bon travail. Donc, finalement, plus ou moins 25 points en 53 matchs. Mais c'est un jeune. Donc, on va quand même lui pardonner. Si on regarde du côté de Daniel Zubrus maintenant, 21 points en 54 matchs. Donc, au final, ça s'équivaut d'une certaine façon. Mais non, je vais refuser. Je crois que j'aimerais mieux repêcher les joueurs. Marc Pisic a tout simplement le potentiel de pouvoir vraiment devenir un défenseur. Je dirais pas de premier plan, mais quand même un défenseur intéressant et dont la monnaie d'échange serait un petit peu plus importante. Donc là, on va aller voir un peu en détail contre les Canucks. Même si, je vais avouer, peut-être que certains m'auraient dit « Non, mais t'es fou! T'sais, Drew Stafford est bien meilleur que Zubrus, donc t'aurais pu enlever Zubrus, l'envoyer peut-être dans les mineurs, l'échanger contre des bâtons, on s'en fout de Zubrus et mettre Stafford. » J'en suis quand même d'accord avec vos idées,
Mais pour une raison que j'ignore quand même un peu, je préfère Daniel Zubrus. Alors que là, je perds 2-0. Et certains vont me dire, si t'aurais Drew Stafford, ça serait peut-être 5-0 pour ton équipe. Donc, donc là, alors qu'on a réussi à réduire un peu l'écart, j'ai pas remarqué celui qui a marqué. Je crois que c'était Burroughs rapidement. On a quand même encore une troisième période à notre disposition pour pouvoir égaler la marque. Allez, s'il vous plaît, c'est serré. On s'échange des tirs de chaque côté. Ça semble... Non, 3-1. Ça devrait se terminer ainsi, j'imagine. Voilà, donc ça se confirme. Donc bon, une petite séquence de défaite qui fait quand même crève-cœur. Parce que c'est des matchs qui sont très serrés, très relevés. Et qui pourraient rapidement basculer d'un côté comme de l'autre. Donc là, on va se permettre une petite simulation jusqu'au match contre les Devils. Alors que je remarque que le temps limite commence à arriver. Donc c'est peut-être la dernière petite séquence de simulation. Ensuite, on va se laisser. Donc on va voir contre les Kings. S'il vous plaît, une victoire quand même convaincante pour se remettre sur la route. Et non, une défaite de 5-3, donc finalement, oui, j'aurais peut-être dû faire la transaction Drew Stafford, mais bon, c'est pas grave, défaite de 2-1 cette fois-ci. Donc là, on commence à partir du mauvais côté, là, ça commence à me faire peur contre les Jets, ils ont l'équipe pour nous battre, on a réussi à aller chercher une victoire, donc ça, c'est quand même le côté positif de la chose, alors que Brad Richards est en train de presque voler. Ah ouais, ok, d'accord, ils sentaient mon côté de culpabilité, ils se sont dit... Non, mais si tu veux, finalement, on accepte toujours. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez de votre côté? J'aimerais quand même bien le savoir. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher davantage pour Mark Pisick ainsi que nos choix de premier et de troisième tour? Ça pourrait être intéressant. Je vais refuser l'offre parce que je sais qu'elle va quand même revenir. Ou que si vous me dites, oui, Marco... Tu nous fais cette transaction, ça va aider ton équipe et tout, blablabla. Bla, bla. Eh bien, il y a toujours moyen de retourner voir les Flyers et je suis certain qu'ils vont accepter. Alors que là, on va jouer contre les Rangers. On a eu une défaite contre les Stars. Victoire de 6-4, donc finalement, bon. Un pointage assez offensif, le genre de pointage qu'on n'aime pas trop parce qu'on n'est pas sûr si c'est la défensive qui fait pas le travail ou tout simplement devant le filet. Donc, bon, ben, ça va être quelque chose quand même à surveiller, alors que oui, effectivement, j'ai toujours de la difficulté un peu à m'exprimer. Donc, allez, sur ce, on va s'arrêter ici. C'est encore une fois un épisode court. J'en suis fortement désolé pour ceux qui appréciaient, des épisodes beaucoup plus longs. Mais en même temps, je trouve que les épisodes courts, il y a plein d'avantages et j'en suis vraiment très content de cette nouvelle manière de faire. Et donc, ben, écoutez, pour l'occasion, en plus, on approche la date butoir, donc... Allez-y dès maintenant dans les commentaires par vos choix. Donc je vais peut-être... Est-ce que je dois faire le tour des équipes? Ça prendrait quand même un certain temps. Si on va voir rapidement les classements, on peut voir le classement dans l'Ouest. On a perdu un peu de notre avance sur les Ducks. Même chose du côté des Coyotes. Donc très serré dans ma position. Donc ça serait bien quand même de rester dans le top 3. Et puis, ça, on va voir dans l'Est maintenant. Vous pouvez également jeter un coup d'œil comme quoi les Sénateurs d'Ottawa sont maintenant la meilleure équipe de l'Est. Du côté des pointeurs, John Tavares qui compte 32 filets. Sinon, est-ce que j'ai un joueur? Non, 22 buts du côté de Brad Richards. Ensuite, du côté des assistants, on se bat quand même autour de 50 assists, ce qui est quand même assez énorme et impressionnant. Du côté de Daniel Sedin, Logan Couture et de Steven Stamkos. Du côté des points, Steven Stamkos qui mène avec 76, Carey Price qui mène du côté des gardiens avec 29, suivi de près par Fleury. Ensuite, du côté du pourcentage d'arrêt, la moyenne de buts accordés aussi. Et puis voilà, c'était tout. Donc allez, sur ça les amis, on va se laisser ici parce que je voudrais pas étirer davantage plus longtemps. Allez-y de certains noms. Je crois que vous connaissez quand même un peu le jeu pour la plupart. Et je suis certain que vous connaissez quand même un peu les overall en tant que tel. Ou du moins certains joueurs dans lesquels type d'overall ils pourraient s'en tenir. Et donc, ben écoutez, on se revoit quand même très bientôt pour de nouvelles aventures sur NHL. Donc allez, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se voit à la prochaine. Allez, bye tout le monde!